Acte 1, scène 1. Odilon, reste là, ne t'en va pas, reviens. Laisse-le partir, ne t'occupe pas de lui. Mais de qui va-t-on se moquer s'il s'en va? Sûr, c'est vraiment le dragon le plus bidon de la planète. Pauvre Odilon, incapable de cracher du feu, on n'a jamais vu ça. Pourtant, ce n'est pas difficile. Il suffit de bien se chauffer la gorge. A-O-E-I-U, A-O-E-I-U, d'inspirer un grand coup, puis de souffler très fort. Et voilà. Aïe, fais attention, tu m'as brûlé la queue. Alors que lui, tout ce qu'il arrive à cracher, c'est de l'eau vitaminée. Libérite de pain. Il devrait ouvrir une épicerie boulangerie. Ha 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 ha. Acte 1, scène 2. Ce n'est pas une raison pour se moquer de lui. Et pourquoi donc, mademoiselle Charlotte? Odilon est très gentil et bien plus mignon que vous. Arrête, je vais mourir de rire. Odilon, bien mignon. Dis donc, Charlotte. Odilon, ton beau dragon, il fera peur à qui? Il te protégera de quelle façon? En assurant l'avenir des baguettes. À moins qu'il ne les noie dans l'eau vitaminée. Bien sûr que non. Alors, tu vois bien qu'il ne sert à rien. Si, si, à nous faire à rire. Vous êtes vraiment trop stupide. Continuez à cracher du feu si cela vous amuse. Mais entre-temps, fermez la bouche. Il n'en sort que des bêtises. Acte 1, scène 3. Odilon, Odilon. Laissez-moi. C'est moi, Charlotte. Odilon, écoute-moi. Non, s'il te plaît, laisse-moi. Retourne avec les autres. Je n'arriverai jamais à cracher du feu. Mais ça n'a aucune importance. Tu dis ça pour me faire plaisir? Non, juré, promis. J'adore l'eau vitaminée. Même les baguettes de pain? Encore plus les baguettes. Tu sais, Charlotte, c'est drôlement bon, une baguette de pain trempée dans l'eau vitaminée. Je sais, Odilon, je sais. Oui, mais les autres, tant que je ne cracherai pas du feu, ils se moqueront de moi. Laisse-les dire, laisse-les rire. Quand ils t'embêteront, pense très fort à moi. En attendant, rentre chez toi. Tes parents vont s'inquiéter. Tu as raison, Charlotte, il faut que je rentre. Pourvu que mon père n'apprenne jamais. Acte 2, scène 1. Odilon m'inquiète. Ah, il est malheureux. Malheureux, tu es sûr? Malheureux, oui, très malheureux. Bien sûr, tu ne t'es pas rendu compte, toujours au travail ou en train de lire ton journal. Écoute, Honorine, tu sais bien que je suis obligée de lire le journal pour mon travail. Ton travail, tu n'as que ces mots à la bouche. Si un cœur nous rapportait quelque chose en travail. Mais non, monsieur, je travaille pour le plaisir. Que veux-tu? J'adore cela, cracher des feux d'artifice. Tu verrais les yeux des enfants, ils sont émerveillés. C'est ça ma récompense, mon salaire. Tu ferais mieux d'apprendre à ton fils. À mon fils? Lui apprendre quoi? À cracher du feu tout simplement. Odilon ne sait pas. Si tu t'en occupais un peu plus souvent, tu t'en serais aperçu. Tiens, justement, le voilà qui rentre. Je vous laisse. Acte 2, scène 2. Odilon? Oui, papa. Où vas-tu? Me laver les dents. Avant de manger? Je ne veux pas, c'est qu'il est trop craché. À la bonne heure, fiston. Tu ne t'es pas brûlé la mèche au moins? Non, pas. Ça ne me risque pas. Approche-toi, mon fils. Viens me montrer de ce dont tu es capable. Mais pas la maison va brûler, c'est inondé plutôt. Qu'à cela ne tienne, sortons. Où? Sur le perron. Il fait froid. Justement, tu nous réchaufferas. Mais pas, je ne crache pas très fort. Viens, te dis-je, je t'aiderai et te dévoilerai la recette du feu d'artifice. Je suis le seul dragon au monde à la réaliser. C'est mon père qui me l'a transmise. Il la tenait lui-même de son père, ton arrière-grand-père.
Tu es assez grand pour en connaître le secret. Et puis, je commence à me sentir vieux, ma gorge fatigue et j'ai de plus en plus de mal avec le bouquet final. Il est temps que tu me remplaces. Ta mère a beau dire que ce travail ne sert à rien. Apporter un peu de bonheur n'est jamais peine perdue. Odilon, où es-tu? Odilon, Odilon. Acte 2, scène 3. Cher docteur, merci d'être venu si vite. C'est bien normal, chère madame. Docteur rime avec quart d'heure. Mais dites-moi qui est malade chez vous. Personne. Ah? Enfin, presque personne. Expliquez-vous. Ce n'est pas si simple. Je vous ai appelé à cause de l'eau vitaminée. Elle est trop gazeuse. Elle vous aura fait mal. Vomissement, diarrhée, mon estomac. Je vois, je vois. Allongez-vous, je vais vous examiner. Et les baguettes de pain? Pas assez cuites. Trop de mie. Vous savez, le ventre gonflé. Je vois, je vois. Je vais vous soulager. Non, docteur, il ne s'agit pas de moi. Mais de qui? D'Odilon. Il en a avalé beaucoup? Aucune. Mais alors? Il les crache. C'est trop, j'y perds mon latin. Oui, docteur, mon petit Odilon ne crache pas du feu, mais de l'eau contaminée et des baguettes de pain. Cuites? Qui? Les baguettes? Cuites? Oui, je crois. Alors, tout n'est pas perdu. Si les baguettes sont cuites, c'est qu'il y a encore du feu à l'intérieur de sa gorge. Où est-il, ce chenapin? Acte 2, scène 4. Ouf, papa s'est endormi. Me voilà tranquille pour un bon moment. Oh non, pas le docteur. Il est plus nul que Dudule, le sorcier guérisseur. Approche-toi, mon garçon. Ta mère me dit que tu as une chatte dans la gorge. Il se croit drôle. Dis, au feu, au feu. Au feu, au feu. Plus fort. Au feu, au feu, au feu. C'est grave, docteur. C'est ennuyeux. Mais encore. C'est embêtant. Et alors? C'est contrariant, c'est tout? Non, ce sera 100 francs. Scélérat, charlatan, hors d'ici, ou je te carbonise les chines. Écoute, mon fils, un seul te guérira, c'est ton grand-père urbain. Va le voir et reste-y le temps qu'il faudra. Acte 3, scène 1. Maintenant que ta mère vient de partir, tu vas cesser de pleurnicher et te convertir comme un dragon. Mais je suis pas un dragon, oui. Et pourquoi cela? Je ne sais pas cracher du feu et je... Quelle importance? Tu craches bien autre chose. Ne me réponds pas si tu n'en as pas envie. Mais cesse de pleurer, on va finir par se noyer. Ta mère m'a tout expliqué. Rassure-toi, ce n'est pas grave. Tu n'es pas le seul dragon à qui ça arrive. Je n'en connais pas d'autres. Eh bien moi, si. Depuis 450 ans que je suis dragon des cracheurs insolites. Quoi? Insolites, qui crachent des drôles de choses. Tiens, quand j'avais ton âge, mon meilleur ami crachait des lettres d'alphabet. D'alphabet? Oui, d'alphabet, des gerbes de consonnes, des ribambelles, des voyelles, et même des points d'interrogation, d'exclamation, des points à la ligne. Et alors? Il a inventé l'imprimerie et est devenu le premier dragon milliardaire. Plus tard, il y a environ 100 ans, j'ai rencontré un dragon dénommé Gustave. Lui, ce sont des bouts de ferraille qui sortaient de sa gueule béante. Il a construit des échelles? Non, non, mieux que ça. Une tour énorme, magnifique, majestueuse. Mais dis-moi, petit, tu n'as jamais entendu parler de très bien? Non. Tu ne vas pas à l'école? Je suis trop jeune. Sinon, tu connaîtrais le dragon très bien. Seul le dragon cracheur de bonnes notes. Des notes de musique? Non, des notes de contrôle. Il se débrouille pour toujours se promener à côté d'une école et les jours de contrôle, le bilan, il crache par la fenêtre ouverte des 15, des 17 et même des 20 qui vont se coller sur les copies des élèves. Ça doit être chouette d'aller à l'école. Oui, sauf quand il est en colère. À ce moment-là, il crache punition et fessée. Mais il suffit d'aller vite fermer les fenêtres. J'ai connu également des cracheurs de parapluies, de confettis,
de couscous, d'étoiles et même un cracheur de vérité. Celui-là, il fallait s'en méfier. D'accord, mais personne ne se moque d'eux. Détrompe-toi, eux aussi, ils ont dû subir les railleries des autres. Ont-elles fait? Ils se sont battus? Ils se sont enfuis? Non, ils ont laissé dire, laissé rire, laissé faire. Ils n'ont pu parler et jouer qu'avec leurs amis. Mais moi, je n'ai pas d'amis. Tu es sûr? Et Charlotte? Et moi? Et ton grand-père? Tu sais qu'il est un peu sorcier? Ça se tombe à plus loin. Mais il se trompe souvent de formule. Oui, oui, mais sait-on jamais? Tiens, le voici, il vient de révéler son grand livre de sorcellerie. Acte 3, scène 2. Bonjour, fiston, comment vas-tu? Pas fort, apparemment, mais rassure-toi, j'ai retrouvé la formule magique. Dans 2 minutes, tu vas cracher le feu. Tu crois que ça va marcher? Absolument, c'est un grand sorcier. Ce serait bien la première fois que mon mari réussirait quelque chose. Approche-toi, petit. Je la tiens. Du feu, je veux. Du feu, tu peux. Du feu, je peux. Du feu, tu veux. Crache, voir un peu. Tiens, des pâtes. Oui, mais des spaghettis. Je n'y arriverai jamais. Foi de sorcier, tu vas y arriver. Changeons de formule, soit de. Après les spaghettis, les vermicelles ou la pizza? Odile, regarde-moi et répète après moi. Tout feu, tout flamme, je vais cracher du feu. Tout feu, tout flamme, je vais cracher du feu. Tout feu, tout flamme, je mettrai ma main au feu. Tout feu, tout flamme, je mettrai ma main au feu. Crache, voir un peu. C'est le bouquet. Encore une formule fameuse. Restez là, je reviens, je vais relire mes grimoires. Acte 3, scène 3. Tu es sûr qu'il est sorcier, papy? Aussi sûr que tu es un bon petit dragon. Il n'a aucun pouvoir. Si, celui de se croire un sorcier et d'être heureux. Je crois que je comprends. À la bonne heure, tu es en bonne voie de guérison. Je le pense aussi. Tu vois bien qu'il est un peu sorcier. Acte 4, scène 1. Quand est-ce qu'Odilon revient? Je ne sais pas, il se plaît beaucoup chez ses grands-parents. Et là-bas, il fait beaucoup moins chaud qu'ici. Il a de la chance. On va mourir carbonisé si ce temps persiste. Ou de soif. Les réserves d'eau diminuent à toute vitesse. Et toujours pas le moindre nuage. Au secours, à boire, ma soif de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? On dirait un orage. Au secours, à boire, on a soif de l'eau, par pitié. Acte 4, scène 2. Faut le retrouver. Faut le ramener. Faut le supplier. Faut le forcer. Mais de qui parle-t-il? Je ne sais pas. C'est la chaleur. Ils ont dû rester trop longtemps au soleil. Regardez leur peau se craquelle. Faut qu'ils nous pardonnent. Faut qu'il nous revienne. Faut qu'il nous abreuve. Faut qu'il nous sauve. Mais qui? Odilon, lui seul peut nous sauver. Mais comment donc? Il crache de l'eau. C'est une vraie fontaine. Avec lui, fini la sécheresse. Plus jamais la gorge sèche. Trop tard, il est guéri. Non! Si, guéri. Regardez la lettre que m'a envoyée sa grand-mère. Ah, voilà. Rassure-toi, Odilon va beaucoup mieux. Il est même guéri, totalement guéri. Grâce à son papy, grâce aussi un peu à moi et surtout à toi. Il t'embrasse très... C'est de ta faute. C'est toi qui t'es moqué le plus de lui. Tu peux parler qu'il avait surnommé Poule Mouillée. Ça te faisait rire. Plus maintenant. Arrêtez, Charlotte, viens voir. Regarde là, il y a un post. Clinton. Odilon est guéri. Il est très fier de cracher de l'eau et du pain. Il n'a plus du tout envie de cracher le feu. Youpi! Ouais! On est sauvés! Faut aller le chercher! Acte 4, scène 3. Pas la peine, je suis là. Odilon! Odilon!
J'ai pensé en écoutant la météo que vous aurez besoin de nous. Oui, oui, je connais tant de formules magiques. Pour la pluie, pour le vent, la grêle, l'orage, et même pour les brouillards. Papy, laissons plutôt faire Odilon, s'il veut bien. S'il te plaît, on ne se moquera plus. Tu es le plus grand. Et le plus beau. Tu es le plus intelligent. Assez. Je me moque de ce que vous pensez de moi. De l'eau, vous en aurez à volonté, à se jurer. Merci, 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 merci. Papa, maman, je vous demande juste une seule chose. Allons vivre chez grand-père et grand-mère. Si c'est ton souhait. Tu as raison. Avec Charlotte, bien sûr, d'accord. Oh oui. Et nous. Le docteur est d'accord pour vous soigner. Quand vous serez guéri, vous nous rejoindrez. Vous soigner. De quoi? On n'est pas malade. On n'a pas de boutons. Pas malade. Faut voir. Allons chez vous et dites au feu. Ils sont pas prêts d'être guéris.